Salut. Bonjour, comment ça va? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, je sais, ça fait longtemps. Désolé, je sais qu'en 2023, j'ai un rythme de vidéo vraiment éclaté. Mais 2023, c'est pas mon année. Ça, je l'ai déjà dit. J'ai acté que de mon côté, 2023 serait une année vraiment pas ouf. Donc voilà. 2026, par contre, attention, j'arrive fort. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Vous m'imposez mes lectures manga. Le premier épisode vous avait pas mal plu, donc j'ai décidé d'en faire un épisode 2. On écoute le peuple, contrairement à... Chut. Attention. Quoi chute? Quoi chute? Alors si vous connaissez pas le concept, c'est très simple. Vous n'êtes pas sans savoir que je fais régulièrement des lives sur ma chaîne Twitch Venkalias. Et si tu le sais pas, bah écoute, c'est pas grave, je ne t'en veux pas, car tu peux réparer cette erreur. N'hésite pas à me follow sur ma chaîne Twitch, le lien est en description. Bref, en gros, durant le live, des viewers passent en vocal vendre leur manga, développer leurs arguments sur le pourquoi du comment je devrais commencer ce manga. Ensuite, on fait voter les gens présents sur le live, est-ce que la personne a été convaincante ou pas. Et si la majorité des viewers répondent que oui, je suis obligé d'acheter ce manga et de le lire. Et ensuite d'en parler, de donner mon avis en vidéo, c'est la vidéo que t'es en train de regarder là, donc oui, tout est logique. Du coup, bah on a sélectionné 4 mangas comme pour le premier épisode, et dans cette vidéo, bah je vais vous dire si j'ai bien aimé, donner une note au manga, à ce tome 1 en tout cas, et vous dire si je compte continuer la série ou pas. Voilà, c'est un concept assez simple, sans prétention, mais que j'aime bien, parce que ça me permet de découvrir des lectures que j'aurais pas forcément attaquées de moi-même comme ça. Élargir son champ artistique, j'ai envie de te dire. Bon, le seul problème, c'est qu'encore une fois, on est sur le concept le moins rentable de France. Ça fait que de me conseiller des éditions Prestige ou Le Lézard Noir 14-20 euros, franchement, je vous en veux pas, hein, mais au bout d'un moment, je vais commencer peut-être à m'énerver, peut-être. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce concept vous plaît, et surtout, bah, si vous voulez un épisode 3. Bon, je vais pas faire ce concept tous les lundis, hein, parce que bah déjà, je suis très peu actif sur YouTube, mais en plus, bah, parce qu'au bout d'un moment, économiquement... Bref, si tout est dit, bah je pense qu'il est l'heure de commencer. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. On commence avec le premier manga qu'on m'a imposé, Les Liens du Sang de Shujo Oshimi. Vu de l'extérieur, la famille du jeune Seishi est des plus banales. Un père salarié, une mère au foyer, une maison dans une ville de province. Tout est normal, ou presque. Il ne s'en rend pas compte lui-même, mais sa mère le couve beaucoup trop. Saiko traite encore son fils comme un bébé, ce dernier est incapable de résister. Il se laisse lentement emprisonner dans le cocon. Trop jeune, il ne décèle pas la folie cachée derrière l'amour maternel, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Bon bah déjà on est sur mon premier Shujo Oshimi. J'ai jamais lu Les Fleurs du Mal ou toutes ses autres œuvres, L'Intimité de Marie je crois, il y a aussi Happiness, bref. D'ailleurs il y a beaucoup de découvertes d'auteurs dans cette vidéo, vous le verrez si vous restez jusqu'à la fin. Technique de chien pour le watch time. Restez jusqu'à la fin, il va se passer une dinguerie dans cette vidéo. Peut-être que je mens. Bref, alors Les Liens du Sang, en vrai au début on était un peu sur un délire slice of life classique. On suivait la vie et la routine d'un collégien lambda entre sa maison, son école, sa relation avec sa famille, ses amis, donc c'était assez banal. Moi je pas te mentir qu'au début j'étais un peu en mode bon à quel moment Freezer il arrive pour détruire la Terre, parce qu'au bout d'un moment ouais, c'est bien sympa sa vie hein, mais moi je suis un lecteur de shonen moi, mais qui elle est celle-là pardon. Même si en vrai dès le début notamment à travers les dessins d'Oshimi tu sentais déjà un petit malaise qui s'installait, il y avait certaines planches avec des regards, des visages, des expressions où tu comprenais pas trop, enfin l'expression était un peu inappropriée à la scène, tu sentais déjà un petit décalage, un petit truc qui va pas, et ça c'est déjà fort, donc ça c'est pas mal Oshimi, pas mal. On peut faire mieux mais c'est déjà pas mal quoi, comment ça je me prends pour qui. Mais bref, globalement tout le tome est resté assez classique, assez tranquille, jusqu'à un certain événement qui arrive vers la fin du tome, et là, tout bascule. D'un coup, le récit change de dimension, on passe d'un truc assez gentil à un truc assez sombre. Ouh là là, c'est le début des problèmes, ça. Et en vrai, ce basculement, il est assez bien fait et inattendu, parce que comme je l'ai dit, connaissant le synopsis et même en lisant tout le début du manga, tu sens déjà qu'il y a un truc qui est pas naturel, t'es pas à l'aise avec les personnages, tu sens déjà qu'il y a un truc qui va pas, tu sais qu'à un moment, il y aura un switch, et bah tu l'attends. Tu peux rien faire d'autre que l'attendre. Enfin, tu peux lire, mais du coup, tu lis l'attente. Et en vrai, la tension monte, 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 et non pas Monk, la série de... Pardon. Jusqu'à exploser d'une manière que perso j'ai trouvé inattendue. Enfin je m'attendais pas à ça à ce moment-là. Et de manière aussi tranchée. Perso je l'ai pas vu venir et là tu te dis ok les choses sérieuses commencent. En vrai je suis resté pas mal de secondes sur cette planche où ça bascule en revenant en arrière, en revenant sur la planche, donc j'ai passé du temps dessus, à te dire attends il s'est vraiment passé ça. Et ça généralement dans une lecture bah c'est bon signe. On peut dire qu'Oshimi m'a pris de court, donc à ce niveau-là c'était cool, maintenant bah ça arrive à la fin. Donc tout le début du tome c'est pas fou. Au début je me suis pas fait chier non plus hein, parce que encore une fois je sentais qu'il y a un truc qui allait arriver. En plus avec Oshimi bah la lecture ça va super vite, y a pas énormément de bulles. Hein. Je sais qu'il a la réputation d'avoir des tomes qui se lisent assez rapidement, et c'est plutôt vrai, hein, je peux le confirmer en ayant lu ce tome 1, et pour moi, bah, c'est pas vraiment un défaut. Bon, c'est sûr que vu les prix, quand t'achètes toute la série, que tu lis ça en 30 minutes, t'es en mode bon. C'est qui le con au dîner des cons? Ça fait cher la minute, mais bon, tant que le récit est bon, j'ai envie de te dire. Ok, il y a pas beaucoup de texte, mais moi, ça me dérange pas, parce que à partir du moment où tu le fais comprendre à travers le dessin, t'as pas besoin de texte. C'est le principe de la bande dessinée, hein, transmettre des émotions par le dessin, pas forcément par le texte, parce que sinon, t'as qu'à faire un roman.
Et pourquoi je m'énerve? Si à travers le visage, tu comprends l'émotion, pourquoi tu veux une bulle? Voilà, rien qu'à travers ce visage-là, de la mère et de l'enfant, bah tu comprends pas mal de choses, pas besoin de plus de texte. Bah faire ça à certaines pages d'Hunter x Hunter, sans manquer de respect. Et j'adore Hunter x Hunter. Hein. Quand même, les gars. Cul et lui, cul, bavard, une radio. Je tiens à m'excuser auprès de toute la commu d'Hunter x Hunter pour cette sortie de route, ça ne se reproduira plus. Concernant la note, je pense que je mettrai un petit 15 sur 20, et je pense continuer la série. Peut-être pas forcément maintenant, mais ça m'a pas mal intrigué, et ça donne envie de lire la suite. J'ai envie de voir dans quelle direction ça va aller, même si j'ai eu des retours comme quoi peut-être après ça devenait de moins en moins plausible et de plus en plus un peu lunaire, mais j'ai envie de constater ça par moi-même, donc je pense me prendre la suite. Et pourquoi pas aussi, bah si j'ai aimé ma lecture des Liens du Sang globalement, attaquer d'autres chimies par la suite, bien sûr. On saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Deuxième lecture imposée, La fille de la plage d'Inyo Asano. Bon là, bah y a pas de synopsis au dos du manga, donc bah je vais aller chercher sur internet, hein. Faut tout faire soi-même dans ce monde. Kume vit dans un petit village possédant une plage qui, même lors de l'été, n'attire personne. La jeune fille vient de vivre une déception amoureuse avec le beau Misaki. Après cette désillusion, Kume se confie auprès de Kosuke, un garçon amoureux d'elle depuis quelques années. Kume et Kosuke vont entretenir une relation plutôt surprenante. Et j'ajouterai même malsaine, hein. Wikipédia bosse un peu. Pardon, désolé Wikipédia, merci pour toute l'aide que tu apportes. Donc on m'a imposé ce manga et en vrai c'est cool parce que ça me permet d'avancer dans mes lectures d'Inyo Asano. Il me reste 2-3 anthologies et là sa dernière œuvre Destruction je sais pas quoi. Et globalement bah j'ai lu pas mal d'Asano, dont maintenant La Fille de la Plage. Et du coup en vrai un peu comme pour Les Liens du Sang, dans La Fille de la Plage il y a un événement en toute fin qui fait encore une fois basculer l'œuvre dans une autre dimension. Enfin sans spoil mais je trouve qu'il y a un truc un peu similaire. Bah c'est pas du tout les mêmes actions, le même truc, mais à la fin bah c'est un peu similaire. Parce que j'ai bien dit que c'était un peu similaire mais pas forcément, ou je l'ai pas assez dit. Donc à la fin il y a un événement qui fait rentrer le récit dans un délire encore plus sombre qu'il ne l'était déjà, parce que contrairement au Lien du Sang, là, dès le début, c'est assez malsain et chelou. Mais là, l'action dont je parle à la fin, bah je l'ai trouvé beaucoup plus maladroite que dans Les Liens du Sang. Et même globalement, je trouve l'œuvre un peu plus maladroite et assez cousue de fil blanc par rapport aux autres classiques et lectures d'Inyo Asano. Par exemple, Bonne Nuit Poun Poun, qui est aussi basé sur des relations entre personnages et notamment des relations amoureuses parfois assez malsaines et bizarres. À Bonne Nuit Poun Poun, c'est bien mieux fait. Bon, après, il y a plus de temps pour développer et Bonne Nuit Poun Poun, c'est un chef-d'œuvre, d'accord. Donc peut-être c'est une comparaison qui n'a pas forcément lieu d'être. Encore désolé, je vais m'excuser toute la vidéo ou... Ce que je veux tout simplement dire, c'est que c'est pas le meilleur tome 1 d'Inyo Asano que j'ai lu, tout simplement. J'ai trouvé ça un peu prévisible parfois et un peu trop dans le too much et le pathos. Des aspects que justement Bonne Nuit Poun Poun évite, je trouve. Ici, je trouve que Asano rentre un peu trop dedans, sans faire de mauvais jeu de mots, parce qu'en fait, dans le manga, il y a des... Pardon. Il y a des comportements de personnages que je comprends pas forcément, ça me semble parfois exagéré, envenimé sur du pas grand-chose, finalement. Notamment l'événement de fin dont je vous parlais, bah il me semble pas invraisemblable non plus. Mais... Bref, je dirais que globalement, en fait, j'ai tout simplement trouvé Asano un peu moins subtil que d'habitude. En fait, le problème avec les œuvres qui se veulent sombres, malsaines et qui explorent la noirceur de l'être humain, c'est qu'on peut très souvent tomber dans les pièges basiques du genre, bah, par exemple, le pathos. Du tire-larme, genre, dépêche-toi de chialer, ok? Et au final, bah, t'arrives surtout à des personnages antipathiques, en fait. Après, ça peut être le but de l'auteur aussi, hein, d'avoir des personnages totalement antipathiques, mais bon, le cliché typique du personnage, bon, son père est mort, sa mère s'en tape de lui et remarié à un beau-père qui le bat, son frère est en prison, son chien est mort écrasé par une voiture et ce matin il a marché sur une merde. Bon. Alors j'ai cité que les points négatifs, mais en vrai j'ai pas détesté ma lecture, hein, parce que bah, Inyo Asano ça reste toujours intéressant, toujours assez marquant, toujours assez spécial, toujours assez unique en soi. Ça reste bien fait dans l'ensemble et avec des beaux dessins. Il y a toujours une très bonne utilisation de la photo dans les décors, voilà c'est du Asano pur jus et moi j'aime bien. Ah et je préviens au cas où, s'il y en a que ça dérange, il y a pas mal de scènes de nudité. Bon c'est pas ce que j'appelle du fanservice, parce que là ça sert l'histoire et le propos, ça fait partie de l'histoire globale. Mais voilà, vaut mieux le savoir avant d'acheter, s'il y en a que ça dérange, je préfère prévenir. Mais bref, dans l'ensemble j'ai plutôt apprécié ma lecture malgré les défauts que j'ai cités. C'est loin d'être une œuvre d'intérêt. C'est pas le meilleur Inyo Asano, mais c'est pas le pire non plus. Ça reste qualitatif et j'aime bien la relation entre les deux personnages et certaines évolutions, même s'il y en a une que je trouve encore une fois un peu tirée par les cheveux, mais voilà. Globalement, je mettrais 13,5 au manga. Pas un coup de cœur, pas son meilleur, mais en vrai, je compte continuer bah parce qu'il y a que 2 tomes. Donc voilà. Je suis à la moitié, donc autant prendre le deuxième et finir ça. S'il y avait 10 tomes, je dis pas, peut-être que j'arrêterais, mais là, il me manque un autre tome et j'aurais fini, donc autant le prendre. Sachant que j'ai bien envie d'avoir tous les Inyo Asano globalement, donc voilà. Et si ça se trouve, le deuxième tome est 100 fois meilleur, hein, avec une vraie belle fin et
tout, donc moi je suis curieux. Et puis voilà, qu'est-ce que tu fais encore là? Pardon. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Troisième, Demain les oiseaux, d'Osamu Tezuka. Oui, là on s'attaque à du légendaire. Grâce à une substance répandue sur la Terre par une civilisation extraterrestre, les oiseaux sont devenus intelligents. Fatigués d'être opprimés par cette engeance inférieure que l'on appelle les hommes, ceux-ci se révoltent. L'humanité est bientôt réduite à quelques milliers d'individus, retournés à l'âge de pierre et réduits en esclavage par les oiseaux. Cependant, la civilisation oiseau ne prend pas vraiment le chemin de l'idéal de paix et d'harmonie que l'on pouvait espérer. Bon, c'est mon premier Tezuka et je vais prendre des pincettes parce que là je sens que je vais me faire attaquer, mais c'est pas grave. On dira toujours la vérité, enfin notre vérité. On est clairement sur un auteur précurseur, en avance sur son temps et tout, mais le problème avec les œuvres précurseuses, c'est que 20 ans après, bah elles sont plus précurseuses. Enfin, c'est un peu comme Star Wars. Bon, je vais aussi me mettre les fans de Star Wars à dos. Je vais avoir beaucoup d'ennemis après cette vidéo. Mais en gros, Star Wars, quand ça sort dans les années 70, bah c'est clairement révolutionnaire. Mais mater les premiers Star Wars aujourd'hui en 2023, bah c'est un peu compliqué quand même. Enfin, ça a pris un coup de vieux. Et Tezuka, alors je vais faire attention à ce que je dis encore, mais clairement à son époque, quand ça sort dans les années 70, tout ça, ça va être révolutionnaire à tous les niveaux. Aujourd'hui, 2023, en tout cas, de mon côté, j'ai un peu de mal. Après, c'est que moi. Ah si. Bon, on va être clair, voilà, c'était pas ma meilleure lecture, je suis pas fan, voilà, de ce que j'ai lu. J'ai eu du mal, notamment avec le dessin, je vais pas mentir, hein, le dessin cartoonesque comme ça, années 70, moi, il m'a mis une patate dans la gueule, mais pas dans le bon sens du terme, hein, c'est qui m'a vraiment... Je suis ouvert à tous les styles de dessin, mais là, c'est juste, voilà, rétro, un peu... C'est mes goûts, voilà, comme on dit, tes goûts de shot et tes couleurs de merde, mais voilà. Je vais pas mentir, pour faire le hipster, genre, ouais, Tezuka, ouais, cette lecture des années 70, c'est vraiment bien meilleur que Naruto, là. En soi, dans le fond, c'est vraiment intéressant. C'est juste que je sens, moi en tout cas, le poids des années. Voilà, dans ma lecture, j'ai senti l'époque. Le renfermé, la Seconde Guerre mondiale, bon, j'abuse. Non, pardon. Non, plus sérieusement, au début, je trouve que ça va assez vite, même beaucoup trop vite, et j'avais vraiment du mal... Jusqu'au chapitre avec les humains esclaves qui se révoltent. Là, j'ai commencé à vraiment apprécier, honnêtement. Enfin, j'ai commencé à rentrer dans l'histoire, parce qu'avant, j'étais vraiment extérieur. Puis, encore une fois, qu'on aime ou pas l'œuvre, on ne peut pas dénier son côté vraiment intéressant et précurseur. Ce que j'aime aussi, c'est que tu sens le côté engagé de l'auteur, et il veut nous dire des choses, voilà, il veut pas juste faire une œuvre comme ça, divertissante et tout. Il veut transmettre des messages, et ça, c'est toujours appréciable chez un auteur. Éveiller au monde qui l'entoure, et ça, bah, ça sera toujours une force. C'est de la vraie SF, critique de la civilisation humaine. J'ai trouvé ça malin, le côté où les oiseaux qui sont devenus la nouvelle espèce dominante sur Terre, bah en fait, reproduisent les mêmes erreurs que l'ancienne civilisation humaine. Ils se débarrassent des humains parce que l'humanité part en vrille, mais en fait, ils font un peu la même chose. Ils tombent dans les mêmes dérives, hein, ce qui peut nous indiquer que ce sont des dérives inhérentes au pouvoir, en fait, que n'importe quelle espèce qui aura le pouvoir sur Terre, bah, partira dans les mêmes dérives, alors même qu'elle voulait les contrer à la base, donc voilà, ça, c'est super intéressant. Après, parfois, les parallèles entre la civilisation humaine et la nouvelle civilisation des oiseaux dominantes, je les trouve un peu faciles. Parfois, c'est vraiment trop premier degré, donc tu prends un événement historique humain, tu le refais mais tu le remplaces par des oiseaux, donc je vois pas trop l'intérêt, mais je comprends le sens, ok. Enfin, la critique derrière, je la vois, mais la plus-value, pas trop. La narration est spéciale aussi parce que bah t'as pas de personnage principal en fait. Chaque chapitre, bah c'est des petites histoires dans la grande histoire en fait. Il y a des chapitres qui font 8 pages, d'autres qui en font 40, chaque chapitre est vraiment différent. Au début, ça peut un peu déboussoler, mais au final, bah j'ai trouvé ça pas mal comme narration. Chaque chapitre te raconte une petite histoire avec une péripétie, une chute et une petite morale. Bon, il y a clairement certains chapitres qui ont plus d'intérêt que d'autres, hein. Y en a certains, voilà. Il y en a d'autres qui sont vraiment bons. Mais globalement, ça reste bien fait et clairement, le récit est maîtrisé. C'est spécial, faut kiffer. Perso, c'est pas mon style préféré, mais c'est bien fait. Globalement et finalement, je mettrai un petit 14 sur 20 en manga. Et oui, c'est vrai que j'ai tapé dessus pour mettre 14 parce qu'au final, ça reste un classique en fait, que tu peux apprécier ou pas, mais ça reste un classique. Et globalement, comme je l'ai dit, j'ai pas du tout détesté ma lecture, hein, qu'on soit bien d'accord, qu'on soit bien clair là-dessus. C'est pas ce que je retiendrai le plus, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Maintenant, est-ce que je compte continuer et prendre la suite? Bah, en fait, c'est un one shot, donc il y a pas de suite. Moi, j'étais bien nu. Enfin, peut-être que tu le savais, du coup, c'est nul. Je compte bien sûr dans mon aventure manga lire d'autres Tezuka par la suite, mais pas tout de suite. Je vais attendre d'avoir 30 ans, de boire du café et fumer des clopes. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Quatrième et dernière lecture imposée, Les Fleurs du Mal de Kazuo Kamimura. Toujours pas de synopsis au dos. On va devoir retourner sur Wikipédia. Ranosuke Anagaki, 17e héritier de la maison Kurokami, dirige sous le couvert d'une école renommée une entreprise du vice et de la cruauté. Il consomme les jeunes filles comme des cigarettes, les torture et les humilie à loisir. Par ses liens avec le monde économique et politique,
qu'il tient fermement lui faisant bénéficier de ses esclaves sexuels, Ranosuke est un prince sadique intouchable qui règne sur un empire de la luxure. Même si en vrai, je pourrais résumer ça par un tueur en série super malsain commet des crimes super malsains, avec des scènes super malsaines. Voilà, je pourrais résumer ça comme ça. Et oui, dans ces 4 mangas imposés, on m'a imposé beaucoup de lectures malsaines. C'est une vie, ça? Vous pouviez pas m'imposer, je sais pas, moi, Blue Lock ou j'en sais rien, là. Enfin, c'est malsain aussi, je crois, Blue Lock, non? Enfin, je sais pas, sur toutes les couvertures, ils ont des chaînes autour du cou. Pardon, c'était mon petit coup de gueule, mais y en a marre. Prochaine lecture manga, je voudrais que des lectures feel good et gentilles, ok? En gros, on est sur un certain mélange d'érotisme et de sadisme présenté sous une certaine forme d'esthétisme, en vrai. Donc voilà, on est sur du contenu explicite, je vais pas dire choquant, bah parce que bah je me suis inscrit sur Twitter quand j'étais au collège, donc j'en ai vu des choses. Mais voilà, ça dépend de votre baromètre de la choquance. En fonction de ça, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais en vrai, au-delà de ça, perso, j'ai pas super apprécié ma lecture. Donc oui, vous l'aurez compris, il n'y aura pas de coup de cœur dans cette vidéo de lecture qui m'a vraiment marqué au point de devenir un de mes mangas préférés ou une lecture vraiment importante, mais ça arrive et c'est pas grave, parce que comme je l'ai dit, le but c'est surtout de découvrir des mangas que j'aurais pas forcément attaqué de moi-même. J'ai lu mon premier Oshimi, j'ai lu mon premier Tezuka, et là, mon premier Kamimura, qui est quand même un auteur assez connu et assez culte. Donc même si au final, c'est pas des lectures que j'ai appréciées de fou, bah au moins ça me sort de ma zone de confort et pour la culture c'est important. Les Fleurs du Mal, ça reste une lecture intéressante. Déjà il y a un aspect que moi j'ai beaucoup aimé. L'auteur essaye de nous décrire, de nous montrer l'accommodation, je sais pas si c'est un terme français, l'adaptation de l'humain au sadisme. Comment transformer une personne au point de la faire basculer totalement. À ce niveau là ça c'est vraiment bien fait, mais c'est pas mon type d'histoire. Les scènes de torture s'enchaînent sans que ça me fasse vraiment... Je sais pas, ça me fait. Je vais pas dire que ça me fait ni chaud ni froid, mais de par le dessin qui en vrai est assez lisse, je trouve, et des scènes de torture qui sont assez choquantes dans l'idée, mais en vrai pas montrées de la manière la plus hardcore possible, j'ai trouvé ça assez quelconque, un peu fade même, un peu entre les deux. Après, j'ai peut-être un degré d'acceptation qui est chelou, hein. Après, il faut aussi remettre dans le contexte de l'époque, parce que sûrement que dans les années 70, encore une fois, on en revient à la même chose, ça pouvait être une lecture assez précurseuse et dans un délire dont on n'avait pas l'habitude à l'époque. Il n'y avait pas Twitter à l'époque, donc peut-être l'impact est moindre, voilà, tout simplement. Au final, ce qui est surtout intéressant, comme je l'ai dit, c'est l'évolution des personnages, la transformation de ces gens, comment enfermer dans ce huis clos, en vrai, une sorte de huis clos. Pas un huis clos, parce qu'ils sont parfois à l'extérieur, mais t'as compris. La plupart du temps, ils restent dans ce domaine, dans cet empire, et ça va de malsain en malsain. Et tu vois notamment le personnage principal, enfin, je sais pas si c'est la fille ou le mec, le personnage principal, mais leur relation globalement évoluée. Leur relation qui devient de plus en plus bizarre, mais en soi assez intéressante. Et sûrement que dans le tome 2, bah, ça évolue encore plus, et on atteint peut-être le sommet de cette évolution. Bref, c'est clairement à replacer dans un contexte, mais j'ai pas été plus touché que ça, je mettrais un petit 12,5 sur 20. C'est intéressant, mais ça m'a pas marqué, et je pense pas me prendre le tome 2. Donc je pense que je vais m'arrêter là, mais peut-être que je le prendrai, mais bon, ça coûte 22 balles aussi, et si ça m'a pas marqué, bah je sais pas. Je vais pas perdre 40 balles dans une série qui m'a pas non plus marqué et touché, et voilà. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu de coup de cœur, mais c'était intéressant, je suis sorti de ma zone de confort. Là, je fais vite parce que la caméra va s'éteindre, donc je trace. Comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésite pas à vous abonner, commenter, liker, partager, à me suivre sur Twitch, Insta, Twitter, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de whip d'élite. Une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et Dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi, par pitié. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios. Oulala, comment j'ai tracé. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez un épisode 3, hein, salut.